Dans un système solaire lointain, un flash soudain éclaire l'espace et sa nuit sans fin. Vif et décisive, l'attaque touche de plein fouet la forme ailée, qui, aux portes de la mort, se voit emportée par la gravité. Fendant l'atmosphère de la planète Home en piqué, elle s'écrase sur l'une de ses nombreuses îles inhabitées. Les années passent et arrive alors un groupe d'expéditions. Fiers scientifiques, ils investissent l'île pour mener à bien leurs expérimentations. Découverte alors inattendue, que celle de la créature qui, de son cadavre parfaitement conservé, fait couler un flot de liquide étrange, laissant entrevoir de nombreuses possibilités. Étudié, il est alors immédiatement utilisé dans des expériences menées dans le plus grand des secrets. Des centaines d'années plus tard, loin de l'île, un vestige du passé est quant à lui réveillé. En quête de pouvoir, il déchaîne son armée sur la région d'Unia et sa centrale énergétique. Un groupe de héros assemblés à la hâte se révèle alors et le bat dans des conditions critiques. Mais le titan d'acier entraîne dans sa défaite de lourdes conséquences. Le cœur de la centrale entre en fusion et les radiations qui en émanent se font intenses. Entraînées avec le vent, elles atteignent progressivement les îles alentour, et avec elles, la mort et les mutations des êtres les plus faibles dans un calme sourd. Le poids de la responsabilité s'écrase alors sur les épaules des prétendus héros. Confus et impuissant face à l'immensité de la crise, ils décident de fuir et d'embarquer sur un bateau. Portés par les vagues, rongés par la culpabilité, ils dérivent vers une île semble-t-il inhabitée. Une fois sur la plage, ils commencent à l'explorer, mais comprennent rapidement que leur intuition les a trompés, car cette fois-ci, ce ne sont pas les scientifiques d'antan qui les attendaient, mais leur création d'un temps maintenant oublié, portant d'étranges masques organiques, résultat des expériences passées. Désormais face à face, le clash des premières impressions se fait, entre similarité et dualité. Inconnues et étrangères, les formes se massent, de plus en plus nombreuses, autour de nos héros condamnés. Quel avenir pour les deux camps? Affrontement ou cohabitation? Entre interrogation et révélation, qui sait ce qui arrivera sur ce bout de terre perdu que l'on appelle le tombeau des pères? Et j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura mis un peu l'eau à la bouche donc pour cette nouvelle série de création intitulée Le Tombeau des Pères, vous l'aurez compris. Donc salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et je reprends un peu les rênes de la vidéo justement après cette sorte un peu de mise en bouche de l'intrigue de cette série de création afin justement de vous parler maintenant du côté plus technique de la série. En effet, vous le savez, tout comme la plupart de mes séries de création, Le Tombeau des Pères a lui aussi, eh bien, eu des contraintes de création, des idées directrices et tout ce genre de choses. Donc, en fait, dans cette petite partie de vidéo, je vais vous expliquer justement d'où vient le concept du tombeau des pères, comment il s'est développé et quels en sont donc ses constituants, quels en sont ses principes de base essentiels que vous allez retrouver dans la plupart des, enfin même dans toutes les créations que vous allez voir ensuite. Voilà. Donc, eh bien, on va remonter assez loin dans le temps en 2008, donc effectivement ça remonte, avec une autre série de créations appelée les Archaïdons. Les Archaïdons, c'est une race ou une espèce, si vous préférez, dans Universcape, et il y avait à peu près, je crois, 9 personnages de cette race. Et donc tous partageaient les mêmes éléments communs, 3 au total principaux. Le premier, c'était l'utilisation d'une tête Métru, donc sortie en 2004. Celle-ci, une tête qui à chaque fois était rattachée au niveau du cou à une pièce comme ceci. Donc là, pas tant c'est des pièces de pied, mais ça pouvait aussi être des pièces de carapace ou d'armure. Mais le plus souvent, c'était une pièce de pied, donc mise comme ça à l'horizontale. Et après, donc, vous aviez le corps composé de 2 éléments, à savoir un bassin Vaki, un bassin Métru, tous deux sortis en 2004 dans le thème bionique. Donc, le premier pour accrocher les bras, l'autre pour les jambes. Et d'ailleurs, quant aux bras et aux jambes, ces derniers devaient être vraiment fins, très peu armurés, avec des fois des différents éléments techniques comme des écrous ou des pièces comme ceci qui ressortaient. Mais voilà les éléments donc caractéristiques des Archaïdons, avec en plus souvent des tuyaux, mais bon, ça c'est quand même plus quelque chose d'assez, entre guillemets, plus un aspect design que vraiment structure en elle-même. Et donc tous les Archaïdons partagent ces caractéristiques-là. La tête, l'accroche au niveau du cou et le corps avec les 2 bassins. Voilà, ainsi que des membres assez longs et maigres. Et donc après ça, je me suis dit, c'est bien, tu as fait une série de créations donc en te basant sur ces têtes-là, parce que c'était un peu le point de départ, ces espèces de têtes justement, qui de base normalement ont des masques en fait, si vous voulez. Là, j'ai choisi de ne pas mettre les masques, donc ça donnait un look un peu différent. Et je me suis dit justement, ces têtes-là, après tout, ce sont les têtes principales de Bionic,
mais à partir de 2004, car en effet, avant, de 2001 à 2003, il y avait d'autres types de têtes utilisées partout, et c'était ce type de tête-là. Donc on pourrait appeler de type Holda, si vous préférez. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, qui reprennent un peu ce côté mécanique. On a aussi ce côté un peu des yeux, voilà, un peu foncés, mais différents tout de même. Et donc ça, c'était le premier point de départ et le premier élément redondant du tombeau des pères, à savoir prendre une tête comme ça pour faire une création. Et après, je me suis dit, là c'est le second élément important, pourquoi, au lieu de laisser la tête nue cette fois-ci, ne pas reprendre les crânas? Les crânas sont une sorte de masque, pour faire simple, vraiment très simple, sorti en 2002 dans Bionicle. Et donc je me suis dit, eh bien, autant cette fois-ci mettre sur les personnages ce type de masque. Alors là encore, le pourquoi du comment, il faut savoir que la première création du tombeau des pères remonte à très longtemps, du genre 2010 ou par là, quoi, si vous voulez. Donc forcément, je ne m'en souviens plus exactement. Et oui, effectivement, il faut savoir que c'est une série de créations qui s'est faite en deux temps. D'abord deux créations en 2010-2011 et les quatre autres en 2015. Voilà. Donc il y a quand même eu un petit fossé. Mais les éléments principaux sont restés. Donc à savoir la tête et le crâne. Et enfin, le troisième élément. Et donc d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a huit types de motifs de crâne différents. Voilà. Juste pour information, vous les verrez un peu après. Et le troisième élément, donc, c'était à nouveau l'utilisation d'un pied au niveau du corps. Mais cette fois-ci, contrairement aux Archéléons qui utilisaient uniquement, je crois, trois ou quatre types de pieds au niveau de leur cou, là, il y a eu beaucoup plus de pieds sortis depuis. Donc je vous en montre quelques-uns par là, avec tous des formes différentes et intéressantes. Et donc justement, je me suis dit, et bien cette fois-ci, on va utiliser vraiment à chaque fois un type de pied différent pour chacune des créations. Mais là, peut-être que je m'avance un peu trop, car en effet, à l'époque, l'idée n'était pas de faire une série de créations, si vous voulez. L'idée était de faire juste une création en reprenant ces concepts-là. Il n'y avait pas du tout de concept de série ou quoi que ce soit. Et donc justement, qu'est-ce que j'en ai tiré, moi, de ces trois concepts essentiels, à savoir la tête, le crâne et le pied au niveau du torse? Eh bien, j'en ai tiré Monsieur Atem Han, que voici. Là encore, le nom ou les noms sont venus bien plus tard. Et d'ailleurs, Atem n'était pas le premier terme utilisé pour ces créatures. Le premier était Ako. Puis ensuite, il y a eu Aran et enfin Atem. Donc, j'ai eu une certaine réflexion au niveau des noms. Bon, revenons-nous à la construction. Comme on peut le voir, on retrouve la tête, on retrouve le masque. Et au niveau du torse, si vous regardez bien, vous avez une pièce de pied ici et là et même à l'arrière. C'est cette pièce-là, comme ceci. Voilà. Et aussi, d'ailleurs, vous pouvez retrouver un autre élément un peu tiré des Archéléons, mais qui est peut-être plus au final proche de mon type de design à moi, à savoir des éléments fins, maigres et dynamiques, avec par exemple les barres qui ressortent. De toute façon, notre ami Atem Han, on aura l'occasion de le revoir dans sa propre vidéo. Donc je ne vais pas non plus trop m'étendre dessus, c'est juste pour montrer le résultat afin que vous ayez sous les yeux quelque chose de concret. Et donc c'est après justement où l'idée de série vient, parce que donc j'ai fait celui-ci en premier, puis après un autre que vous verrez ensuite, et après j'ai fait une grande pause. Et après donc je me suis dit qu'on allait pouvoir jouer sur les couleurs en effet, du fait de deux aspects différents. Le premier déjà c'est les têtes. En effet les têtes donc sont soit disponibles en grise, plus une couleur de cerveau transparente différente. Donc là, vous avez du jaune transparent, mais vous avez aussi du vert néon, du rose, du orange, du bleu, ainsi que du vert. Mais aussi, en plus de ces six types de têtes, il y a des têtes qui sont entièrement colorées, comme vous pouvez le voir, avec encore un certain nombre de couleurs différentes. Donc vous avez du marron, du noir, du blanc, du bleu, du rouge et du vert. Il y a peut-être même un peu d'autres types, d'autres couleurs, mais ça, c'est les principales. Donc on arrive à 12 têtes. Et enfin, vous avez les têtes en couleur gris foncé, enfin nouveau gris foncé, à part en 2004, avec là encore tout en gris foncé, mais l'arrière est différent au niveau du cerveau. Et donc en tout, ça fait 18 têtes. Rajoutez à ça le fait que les crânas existent eux aussi dans 18 couleurs différentes, à savoir donc... Je vais essayer de vous montrer ça au mieux quand même. Voilà. À savoir donc vert pomme, rouge, bleu, vert, bleu ciel et orange. Puis une seconde série de couleurs, blanc, noir,
jaune, violet, gris foncé, vieux gris foncé d'ailleurs, et beige. Alors excusez-moi si ça clash un peu au niveau de la lumière là. Voilà. Et enfin, six autres couleurs un peu plus particulières quant à elles, on va reparler de ça juste après, qui sont donc le vert métallisé, le doré, le bronze, le métal foncé, le blanc argenté et le bleu argenté, comme vous pouvez le voir. Donc des couleurs argentées. Voilà. Et donc, on a 18 couleurs. Et donc, forcément, dans ma tête, ça commence un peu à creuser. Et forcément, ça commence un peu à faire des projets, j'ai envie de dire, à la Loser Killer, à savoir des longs projets, de longues créations, où je me dis, bah maintenant, le concept, ça va être de faire à chaque fois un personnage qui aura une tête de couleur à chaque fois unique, donc soit grise foncée, soit de couleur, soit grise, mais à chaque fois différente des autres, et surtout qui aura un schéma de couleur avec deux couleurs. Une de ces deux couleurs sera, eh bien, la couleur du crâne utilisé. Donc après, par contre, le type utilisé, ça on s'en fiche, il n'y en a que 8. Donc au final, il y en a forcément certains qui vont revenir en double. Mais à chaque fois, on aura au moins une couleur de crâne. Et la seconde couleur, quant à elle, sera comment expliquer ça? Une couleur qui n'a pas eu de crâne. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de Hatem Han, pour revenir sur lui, le noir, il est bien là, il est utilisé ici, mais le gris clair, aucun, il n'y a pas de crâne gris clair. Et donc là, vous avez justement ce concept de couleur qui est à prendre en compte. Et une première contrainte qui arrive, car en effet, aucune des créations ne devra avoir les mêmes couleurs. C'est-à-dire que là, Hatem Han, il est noir et gris clair, et bien aucune autre création ne sera soit noir, soit gris clair, soit les deux à la fois. Alors peut-être qu'après, des fois, on fera des exceptions, on verra après juste pourquoi. Mais dans l'idée, chacune des créations doit être différente en termes de couleur. Une couleur sera la couleur du crâne, une autre sera une couleur secondaire qui n'est pas utilisée sur un crâne, et à chaque fois, et on revient à ça, le pied devrait être différent. Et forcément, là on se rend compte que on va multiplier les contraintes, or les pieds, il y a beaucoup de pieds différents, mais les couleurs des différents pieds, bah, pas toujours. Par exemple, cette pièce-là, elle est uniquement disponible, si je dis pas de bêtises, en vert foncé, noir et gris foncé. Donc forcément, le noir, il a déjà été pris comme couleur. Donc bah, je ne pourrais pas faire le pied en noir. Donc il ne me restera plus que gris foncé ou vert foncé. Et dans ce cas-là, eh bien, laquelle je choisis de couleur? Et donc forcément, plus je choisis de couleur, plus mon nombre de possibilités se réduit. Plus forcément, je vais être contraint à prendre certaines pièces. Et donc forcément, je devrais réfléchir à l'avance pour savoir quel type de pied avec quel type de couleur je vais utiliser afin d'obtenir les meilleurs résultats et afin de ne pas bloquer. Ce serait débile, effectivement, que je ne puisse plus utiliser de certains types de pieds parce qu'au final, j'ai déjà pris toutes les couleurs dans lesquelles elles étaient disponibles. Donc, je ne sais pas si j'ai été entièrement 100% clair, mais vous comprenez rapidement. Donc, on aura eh bien, des contraintes de couleurs et de pieds en conséquence. Voilà. Et donc ce sont ça les éléments principaux et redondants du tombeau des pairs. L'utilisation d'une tête, couleur différente, plus d'un crâne, couleur à nouveau, donc des fois qui est liée à la tête ou pas, à chaque fois couleur différente, deux couleurs par personnage et un pied utilisé au niveau du corps. Alors après, quand on dit pied utilisé au niveau du corps, ça peut soit être au niveau du cou, comme les Archaïdons, donc avec la tête qui va se fixer à ce niveau-là, par exemple. Comme ceci, ou alors ça peut être un pied qui va se mettre à l'avant du corps, comme ceci, ou encore ça peut être un pied qui se met sur les côtés du corps, et donc souvent qui va aider à raccrocher les bras. Donc au final, vous avez différentes possibilités là encore de comment utiliser les pieds sur le corps. Et des fois, c'est vrai qu'au final, eh bien, toute la base sera faite d'autres pièces, et après on mettra juste le pied dessus. Donc c'est vrai que le pied ne sera pas entre guillemets partie intégrante du corps, il sera juste un peu posé dessus si vous voulez. Voilà. Et donc, eh bien maintenant, je pense avoir fait le tour de cette petite présentation vidéo. J'ai essayé d'être le plus calme et entre guillemets le plus lent possible pour bien que tout entre au mieux. Donc j'espère que, enfin, que vous compreniez au mieux, c'est comme ça plutôt. Donc j'espère que vous avez pu comprendre maintenant les éléments redondants. Et j'ai quand même apporté une troisième fois, une quatrième fois pour que vous compreniez bien. C'est la tête, le crâne, le schéma de couleur qui va être forcément lié au crâne.
à la couleur du crâne choisi et l'utilisation du pied au niveau du corps. Mais après, justement, contrairement aux archéidons qui étaient tous similaires au niveau de la base, hein, tous avec leur base bassin Vaki plus bassin Métru, là, à chaque fois, ce sera différent. Et donc ça, j'espère que vous avez bien le remarqué à travers les différentes vidéos de nos six personnages. Car en effet, j'en ai parlé au final, je vous ai dit, il y aura 18 en tout personnages. Toutefois, il faut savoir que, là, on va juste faire, entre guillemets, la première vague de la série. Et donc la première vague est constituée de six personnages. Deux fées en 2010, comme j'ai dit à peu près, et les quatre autres fées en 2015. D'ailleurs, les quatre autres fées en 2000. Même pas en 2015, en 2016, si je dis pas de bêtises. En 2016, normalement. J'ai dû me tromper. Bref, en 2016. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir toutes ces créations, car en effet, les quatre créations de 2016 ont été faites toutes en live. Donc vous pouvez effectivement voir le processus créatif. Et donc ça veut aussi dire qu'effectivement, les quatre dernières créations que je vous présenterai, eh bien, ont toutes été faites avec, eh bien, un peu d'aide extérieure. Il faut quand même le préciser, vu que forcément le chat réagissait à mes constructions et à ce que je faisais, et des fois pouvait m'aiguiller ou m'aider pour me sortir de certaines impasses. Et Dieu sait effectivement que des fois je passe beaucoup de temps dans les impasses à ne pas savoir que faire. Après, rapidement, et je sais c'est un peu hors sujet juste avant la conclusion, mais je suis quand même là-dessus, forcément, pour revenir sur les couleurs métallisées, il faut savoir que les couleurs métallisées n'ont pas toutes des pièces sorties dans ces couleurs-là. Par exemple, le blanc métallisé et le vert métallisé, il n'y a pas de pièces comme ça, si je ne dis pas de bêtises, à part en Kraena. Peut-être que le vert métallisé, il y en a, mais je ne sais pas si c'est la même teinte exactement pas. Bref, autant vous dire que forcément, pour les couleurs métallisées, quand on arrivera au moment de les faire, ce sera un peu plus complexe. Mais elles, justement, je les réserve vraiment pour la toute fin. Donc, pour cette première série, vous verrez des crânas de couleur noir, bleu, rouge, orange et vert, ainsi que blanc. Voilà, je pense avoir fait le total, j'ai pas compté sur mes doigts, mais je pense avoir dit les 6. Voilà. Bref, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que maintenant, eh bien, vous serez impatient de voir un peu ces différentes créations et leur design. Donc, on se retrouve très rapidement pour justement Atem Han, que maintenant bah, vous connaissez bien, hélas, mais vous allez comprendre un peu mieux justement comment fonctionne sa construction dans sa vidéo dédiée. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve donc très prochainement pour notre première vraie vidéo sur le tombeau des pères. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.